D'abord, je voudrais féliciter ceux qui ont réussi leur tournée. Pour Mélanie qui fait son premier podium. Et encore plus à Axel qui a été qui nous a rapporté la victoire ce week-end. On est emmené deux touches à 10 secondes de la fin. Il égalise et puis gagne à la mort subite. Bravo Axel. La médaille de bronze d'Oriane en N1, donc bravo, c'est super. Donc Oriane, Maud, Caro et Lydia qui sont là, et vraiment bien tiré tout le monde. Alors maintenant on discute sérieux pour vous dire que ces bulles qui sont là, c'est pour vous schématiser ce sur quoi on veut que vous progressiez à chaque fois. Souvent quand on débute, il faut faire beaucoup d'efforts sur la technique. Et puis plus on progresse, plus il faut travailler de plus en plus en tactique, mais aussi en physique. Alors le mental, si vous maîtrisez les quatre piliers qui sont là, vous êtes champion du monde, d'accord? Avec Fredo, nous on a whisky, Ricard, champagne, c'est chimique. C'est chimique, ouais, ça c'est les ingrédients chimiques. Il y a un système d'atelier qui a été mis en place également sur certaines séances. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire à l'avenir. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est un moyen, justement, comme on ne peut pas donner forcément la leçon à les maîtres d'armes, ne peuvent pas donner la leçon systématiquement à tout le monde. Le fait de fonctionner par système d'atelier, ça permet à tout le monde au moins de progresser et d'être mis face à un certain nombre d'ateliers. Donc je pense que ça, c'est une bonne chose. Et sur une... Ok, bien fait celle-là. Pas mal, t'es resté peut-être un petit peu trop longtemps au contact, t'allais dégager plus tôt. Et du coup pour moi elle était passée. Ce qui fait également la force de ce club, c'est l'échange, le partage des connaissances, que ce soit avec les maîtres d'armes. Ou tout simplement entre chaque tireur, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge. L'escrime est également un sport ouvert à tous où on y vient d'abord pour s'amuser. Puis vient enfin le temps de la compétition. Moment riche en tension. En joie. Parfois en peine. Mais très souvent en réussite commune.
C'est ça, le Lyon épais métropole. Que tout le monde s'entend très bien, j'ai pas senti beaucoup de différents entre les personnes. C'était cool, il y avait de l'ambiance. L'atterrissage s'est plutôt bien passé. Bah, ça a été un peu compliqué au début, ça a été un peu la bohème, mais là maintenant je pense qu'on est bien parti. On est calé. Ouais, on est calé, le groupe est là, les résultats sont avec. Et puis, moi je trouve, sans être maître d'armes, que la progression du groupe est toujours constante, donc c'est bien. Ouais, je suis content. Mathieu, je vais être re-signé encore un an. Ouais, c'est un bon club. Ouais. Je suis content. Niveau d'ambiance et tout. Toujours excellente, aussi bien chez les loisirs que chez nos compétiteurs. Toujours un très bon niveau de camaraderie. Les pots, ils sont aussi pour quelque chose. Et l'ambiance également pendant les compétitions. Je crois que tout le monde y trouve son compte et tout le monde est content de se retrouver à ce moment-là. Il y a des choses à améliorer, tu penses ? Non. Si, peut-être que le maître tire un petit peu plus souvent. Ah ? Ouais, histoire qu'il parie sa voiture à tous les quelques fois, quoi. D'accord. C'est des bons maîtres d'armes, des très très bons, rien à redire. Quelques petits points d'écluse, ils sont sympas, ils sont à l'écoute. Des fois, ils sont pas tout le temps là aux compètes, mais on sait qu'ils sont derrière nous. Vraiment, c'est des chacals. Ah, surtout Rémi, c'est le meilleur. T'as entendu ?